Уважаемые граждане России, дорогие друзья, ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. En reconnaissant l'indépendance de ces deux républiques séparatistes, trois jours avant le début de son invasion de toute l'Ukraine, Vladimir Poutine met un terme à 8 ans de négociations autour du conflit au Donbass. Une guerre avant la guerre, longtemps oubliée, mais qui ravageait cette région de l'est de l'Ukraine depuis 2014. On cherchait une solution diplomatique. Poutine aurait pu l'obtenir s'il avait voulu. En réalité, il voulait toute l'Ukraine. C'est assez clair désormais. L'affaire ukrainienne, c'est une affaire d'abord européenne. C'est sur notre continent que ça se produit. Et donc ça a obligé les Européens, pas simplement par des sanctions, mais par aussi la diplomatie et le rapport de force, à prendre leurs responsabilités. Pendant 8 ans, les Occidentaux, la France, l'Allemagne et les États-Unis ont tenté de régler la guerre au Donbass, multipliant les rencontres, les formats de négociation et de vaines formules d'accord. Les puissances occidentales ont-elles tout mis en œuvre pour éviter l'invasion de l'Ukraine en février 2022 ? Que cela dit-il de leur attitude face à Vladimir Poutine pendant toutes ces années? Les pays occidentaux ont longtemps fondé leur politique sur l'idée qu'on ne se fâche pas avec la Russie. Mieux vaut sacrifier l'Ukraine. La dissuasion repose sur l'armement, mais surtout sur la volonté politique. Vladimir Poutine nous a jaugés et a déclaré qu'on ne lui faisait pas peur. Je savais que Poutine était agressif et impitoyable, mais pas imprudent. Je me disais, il ne va pas faire ça. Il n'est pas fou à ce point. Et pourtant, il l'a fait. Avant l'invasion de toute l'Ukraine par la Russie, des milliers de civils ont survécu pendant 8 ans au cœur de cette guerre du Donbass, en pleine ligne de front, celle qui séparait l'Ukraine des territoires séparatistes. Des hommes et des femmes qui ont subi les atermoiements de la communauté internationale sur la crise du Donbass. En 2021, nous avions rencontré et filmé ces civils, comme Katia, quelques mois à peine avant que cette nouvelle guerre ne bouleverse encore un peu plus leur vie.